Un CETA qui, si nous le suivons, peut aussi devenir pour nous une référence, puisque malgré ses défauts, c'est aujourd'hui le traité qui comporte le niveau d'exigence en matière de normes sociales, environnementales, de protection de l'agriculture et des PME, de protection des services publics, de la sécurité sociale, le plus élevé qui existe. Puisque nous n'accepterons jamais qu'un CETA tel que celui-là comporte des mécanismes d'arbitrage privé, mais que nous avons conditionné notre ratification à la mise en place d'une vraie juridiction dont la Constitution sera soumise à l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, ce traité doit devenir notre référence. Et nous devons dire que nous ne négocierons pas de traités au rabais, nous ne négocierons plus de traités qui ne respectent pas ce niveau de référence. Et d'ores et déjà, on peut en tirer la leçon. Le TTIP, avec le CETA amélioré, est mort et enterré.